Alors bonjour Audrey, tout d'abord je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Bonjour Denis, donc moi je m'appelle Audrey de Coster, je viens du club de la Ferté-Saint-Laurent, enfin Saint-Laurent-Nouan, la Ferté-Saint-Cyr, et je m'occupe de la catégorie U11. D'accord, donc tu t'es inscrit sur cette formation modulaire U11, quelles étaient tes attentes avant d'arriver ici? Alors l'année dernière, j'ai suivi le module U9 et cette année, j'ai évolué avec un groupe U11. Donc je voulais acquérir de nouvelles compétences afin d'appréhender au mieux les entraînements et dispenser aux enfants un apprentissage adapté. D'accord, très bien, merci. Quel est ton avis sur l'outil qu'on utilise, la Global, puisqu'on est confiné et donc on a essayé de proposer une formule à distance et une formule inédite en Ligue du Centre. Qu'est-ce que tu penses de l'outil utilisé là? Alors, je pense que, enfin, voilà, cet outil est très intuitif, la prise en main est rapide, on n'a pas trop de problèmes de connexion et je trouve que les partages sont pas mal. Si tu avais un avantage et un inconvénient à nous dire sur la formation à distance? Alors, l'avantage principal pour moi, c'est que nous sommes chez nous. Pour ma part, j'ai pu suivre du coup la formation parce que dans ma région, elle est annulée. Donc, comme je suis du 41, là, je profite de la formation du 36 pour être avec vous. Donc, je trouve que c'est très convivial en plus. Donc, voilà. Et l'inconvénient, c'est que tout le monde n'est pas forcément équipé du matériel adéquat. Et voilà, ça limite certains participants. Voilà. Très bien, merci. Demain, tu vas retourner, enfin, quand les portes vont rouvrir, tu vas retourner en club. S'il y a des personnes qui hésitent à faire la formation, qu'est-ce que tu vas leur passer comme message? Alors moi, je leur dirais, comme l'année dernière, qu'il faut foncer, parce que ces formations, elles permettent de se remettre en question sur nos méthodes pédagogiques, d'échanger avec des éducateurs d'autres clubs. Et ça permet également d'avoir de multitudes d'astuces pour que nos jeunes progressent. Voilà, c'est ça l'objectif. D'accord, très bien. Je te remercie, Audrey. Merci, Denis.